regarder dans sa majesté. Notre victoire. Regarde-le dans son immensité. Il est le Dieu qui habite une lumière inaccessible aux yeux des humains. Chante-le de manière à ce que son esprit te touche ce soir. Adore-le de manière à ce que tu reçoives la touche de son esprit ce soir. Reçois l'adoration. Chante. Reçois l'adoration ce soir, notre Père. Tu es le roi. Tu es notre Dieu. Mon Dieu, mon Père. Nous sommes là pour te donner l'adoration ce soir. Notre cœur te chante ce soir. Nous t'exprimons la reconnaissance pour ton Fils que tu as sacrifié pour nous. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous t'adorons pour le souffle que tu nous as donné. Tu es le Père qui nous a aimés le premier. Pendant que nous étions encore dans nos péchés, tu as envoyé Jésus mourir pour nous. C'est pourquoi ce soir, nous nous sommes unis pour t'adorer. Nous nous unissons ce soir pour chanter tes louanges. Pour te dire, oh combien tu es merveilleux. Oh combien tu es bon. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es tout puissant. Oh combien, oh mon Père, tu es élevé. Oh combien tu mérites l'adoration. Oh combien tu es digne d'être chanté. Oh combien tu es digne d'être contemplé. Oh combien tu es merveilleux pour nous. Est-ce que tu peux regarder ce Dieu-là avec un cœur de reconnaissance, avec un cœur de gratitude ce soir? Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Lui dire qu'est-ce qu'il est pour toi. Comment il est grand pour toi. Comment il est merveilleux pour toi. Qu'est-ce qu'il est dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est pour toi ce soir? Est-ce que tu peux le lui dire ce soir? Est-ce que tu peux le lui dire ce soir? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le meilleur des papas? Qu'il est le seul fidèle Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il n'y a pas un Dieu qui soit pareil? Qu'il n'y a pas un Dieu qui puisse lui égaler? Il n'y a pas un Dieu qui fait ce qu'il fait? C'est lui qui a déployé les cieux. Il a déployé la terre. Il a créé toutes choses. Il ne dort, il ne sommeille. Est-ce que tu peux dire ce qu'il a pour toi ce soir? Regarde-le assis sur son trône de majesté, son trône de gloire. Regarde-le. Il trône dans le ciel. Il a fait de la terre son marchepied. C'est le Dieu qui te guérit. C'est le Dieu qui te sauve. C'est le Dieu qui te délivre. C'est le Dieu qui combat pour toi. C'est le Dieu qui t'élève. La Bible dit que c'est lui qui élève et qui abaisse. C'est lui qui trace le chemin là où il y a un point de chemin. Oui, c'est lui qui te guide. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour toi, il s'est levé. Et quand il se lève, l'ennemi tombe. C'est lui qui peut transformer le rocher en étang. Oui, c'est lui qui fait reverdir le désert. C'est lui qui déplace les montagnes. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien qui le dépasse. Est-ce que tu peux l'adorer avec tes propres mots? Est-ce que tu peux contempler sa grandeur? Oui, Emmanuel, il t'appelle. Il n'y a pas un nom glorieux. C'est en ce nom que nous avons la vie. C'est en ce nom que les boiteux marchent. C'est en son nom que les aveugles voient. C'est en son nom que les prêts sont purifiés. Est-ce que tu peux manifester?
glorifié, élevé le nom de Jésus ce soir. Le nom de Jésus qui est plus haut que tous les noms. L'alpha et l'oméga. Est-ce que tu peux le magnifier? Le magnifier, 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 le magnifier. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est ce seul nom, le nom de Jésus, qui est plus haut que tous les noms, qui est plus haut que tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom qui fait trembler les démons. Oh, ce soir, Jésus, ton peuple t'adore. Le peuple que tu as racheté par ton sang. Le peuple pour lequel tu as accepté la croix. Le peuple pour lequel tu as accepté la mort. Le peuple pour lequel tu as ressuscité. Ce peuple ce soir, ton or, ton or, ton or, ton or. Ton nom et te dit gloire, 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 et ton nom, 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 et ton nom. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il a la capacité de faire ce qu'il dit. Toutes ses promesses. S'il a dit, il a les moyens de le faire. Envers toi et moi. Sa parole est oui et amen. La foi en Dieu, il ne t'abandonne. Oui, il n'abandonne jamais ses enfants. Il fera. Il est capable. Sois le fardeau que tu as ce soir. Un seul mot suffit pour que tu sois déchargé. Tout Satan, il fera. Oui, il est capable, il guérit. Il fera. C'est lui qui libère. C'est lui qui change les situations. Il accomplira. On l'appelle le bien des temps et des circonstances. Garde ta foi. Le Dieu d'Abraham, on l'appelle.
Dans cet esprit d'adoration, tu lèves la voix. Et dis, Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu à un pèlerinage. Je ne suis pas en aventure non plus. Mais je suis venu t'adorer. Je suis venu te rencontrer. Seigneur, touche-moi ce soir. Accorde-moi la grâce de te rencontrer. Touche-moi, agis dans ma vie. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Ce que tu attends de lui ce soir, ouvre ta bouche et dis-le lui. Dis, Seigneur, je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour t'adorer. Reçois-moi favorablement et agis dans ma vie. Ouvre ta bouche et parle. Seigneur, touche-moi, agis dans ma vie. Touche-moi, agis dans ma vie. Ne me laisse pas repartir comme je suis arrivé. Mais révèle-toi à moi. Rends-moi ministère par ton esprit. Rends-moi ministère par ta parole. Seigneur, agis en moi. Je m'attends à toi ce soir. Visite-moi, agis dans ma vie. Parle. Agis dans ma vie ce soir. Je ne suis pas venu étaler en pèlerinage. Je suis venu pour te rencontrer. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. On va prendre une seule requête d'abord. Tu vas prier et demander à Dieu que tout ce qui représente le règne et le pouvoir de Satan. Tout ce qui caractérise son pouvoir et son règne dans ta vie, dans la vie des tiens, soit détruit sans délai. Frère, il y a des choses qui caractérisent le règne de Dieu. Et Jésus a dit, si c'est vraiment par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu est venu vers vous. La délivrance fait partie des choses qui représente et caractérise le règne de Dieu. Lève ta main. Tu vas prier avec énergie tout ce qui représente et qui caractérise le règne et le pouvoir de Satan. Sois éliminé de ta vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Il y en a beaucoup. Et quand la chose est là, le règne de Satan est là. Dis, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir tout ce qui caractérise le règne et le pouvoir de Satan soit totalement éliminé de ma vie, éliminé de la vie des miens, éliminé de ma maison. Tout ce qui représente le règne et le pouvoir de Satan soit détruit. Éliminé. Ferme tes yeux et prie. Hein? Tu n'es pas là pour regarder quelqu'un. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir que tout ce qui représente le règne et le pouvoir de Satan dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, en ce lieu, soit détruit, banni, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé. Détruit, éliminé. Pray. Mon Dieu, mon Père, tout ce qui caractérise le règne et le pouvoir de Satan dans ma vie soit détruit, éliminé. Tout ce qui représente le règne et le pouvoir de Satan
dans ma vie soit détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé. Mon Dieu, mon Père, tout ce qui représente le règne et le pouvoir de Satan dans ma vie soit totalement détruit. Totalement détruit, éliminé. Insiste. Totalement détruit, éliminé. Totalement détruit, éliminé. Même si c'est la seule requête de ce soir, prie correctement, prie bien. Insiste. Totalement détruit, totalement détruit, totalement détruit. Mon Dieu, mon Père, tout ce qui caractérise le règne et le pouvoir de Satan dans ma vie, mon Dieu, mon Père, que cela soit totalement détruit. Totalement détruit, détruit, éliminé. Détruit, éliminé, détruit, éliminé, consumé, anéanti, détruit, éliminé, détruit, éliminé, détruit, éliminé, anéanti, 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 détruit, éliminé, détruit, éliminé, insiste, tout ce qui représente le règne et le pouvoir de Satan dans ma vie soit détruit, détruit, totalement détruit, totalement anéanti, totalement détruit, totalement détruit, dans ma maison, totalement détruit. Dans la vie des miens, dans la vie des miens, en ce lieu, dans ton peuple, ton peuple, tout ce qui représente, tout ce qui caractérise le règne de Satan, son pouvoir, soit détruit, éliminé des vies, éliminé de nos maisons, de nos affaires, de notre carrière, notre corps, éliminé, éliminé, éliminé. Insiste, insiste, insiste. Éliminé, 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 totalement éliminé, anéanti. Totalement éliminé, anéanti. Tout ce qui représente, tout ce qui caractérise le règne de Satan. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Dis Amen, c'est ta requête de prière. Asseyez-vous. Merci. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions ce soir. J'ai décidé que nous passions la soirée de ce soir vraiment dans la prière. Mais j'ai pris une parole d'exhortation pour asseoir nos prières dessus. Nous allons prendre Josué chapitre 24. Amen. On va commencer par le verset 14. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne un peu de temps. La Bible dit ceci. Maintenant, Josué 24 à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les idoles qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, tu peux dire que tu n'as pas d'idole fétiche. Il y en a qui en ont encore. Mais il y a beaucoup de choses qui sont des idoles pour nous. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, ou qui prend le pas sur Dieu dans ta vie, est une idole. Tout ce qui te préoccupe plus que Dieu est une idole. Tout ce à quoi tu peux sacrifier Dieu est une idole. Et nous en avons tellement dans nos vies. La Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Dieu ne supporte pas qu'il y ait autre chose qui prend la première place dans notre vie. Alléluia. Amen. Quand nous donnons la primauté à autre chose dans notre vie, après quand nous sommes dans les problèmes, Dieu nous regarde seulement. Alléluia. Amen. Nous en avons tellement.
Lève ta main, tu vas dire Seigneur, tout ce qui dispute, je vais dire non, dispute, oui, ou bien dispute, oui, la place avec toi dans mon cœur, Seigneur, élimine les de ma vie. Tout ce qui rivalise avec toi dans ma vie, tout ce qui cherche à te détrôner dans mon cœur, Seigneur, élimine-les. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère. Il y a beaucoup de choses qui cherche à prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Qui cherche à prendre la place de Dieu dans nos vies. Dis mon Dieu, mon Père, je plaide ce soir. Tout ce qui cherche à prendre ta place. Tout ce qui rivalise avec toi. Dispute ta place dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, élimine, 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 élimine-les. Seigneur, élimine-les. Libère-moi de leur influence. Libère-moi de leur pouvoir. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, écoute-moi. Nous sommes des prostituées s'il y a autre chose qui rivalise avec Dieu dans notre cœur. C'est la prostitution spirituelle. S'il y a quelque chose qui tire notre vie avec Dieu, et nous empêche d'être vraiment à lui, totalement, c'est de l'idolâtrie. Que Dieu nous libère du pouvoir de ces choses. Il dit, servir l'Éternel avec fidélité et intégrité. Il continue. Et verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Et il a ajouté, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Si vous, là, et dit à Israël, choisissez le Dieu que vous allez servir. Frère, Dieu rêve vraiment le fait de crocher des deux côtés. De ne pas être engagé et focalisé. Personne ne peut servir Dieu avec un cœur partagé et être agréable à Dieu. Alléluia. Je prie s'il y a quelque chose qui dispute ton cœur avec Dieu, que Dieu te libère de ça. Dis amen très fort. Dieu continue, la Bible continue et dit, le peuple répondit et dit, verset 16, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nos pères, etc. La Bible continue de dire, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous
tous les peuples. Les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, Dieu reviendra vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. Que Dieu nous en garde. Le peuple répondit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, verset 22, vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, oui, nous en sommes témoins. Et Josué leur dit, si vous avez choisi de servir l'Éternel, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si vous avez choisi de le servir, si vous avez choisi de le servir, pourquoi clocher des deux côtés? Pourquoi ne pas être engagé? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et servez l'Éternel. Tournez votre cœur vers lui. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Ça fait la troisième fois qu'ils sont en train de dire ça. Verset 25, Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Il donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Vous me suivez? Ok. Il prit une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Je reprends. Vous suivez? Josué prit une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, verset 27, vous êtes avec moi? Ok. Voici, cette pierre servira de témoin contre vous. Il n'a pas dit pour vous. Il n'a pas dit entre vous et Dieu. Il dit cette pierre servira de témoin contre vous. Car elle a entendu. Vous me suivez? Lisez ça chez vous là-bas. Verset 27. Voici, cette pierre servira de témoin contre nous. Attends, lève la main. Prie.
Dis esprit de révélation. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Pour comprendre la parole de ce soir. Conduis-moi dans la révélation. Dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Esprit de révélation. Donne-moi l'intelligence. Pour saisir, comprendre la parole de Dieu de ce soir. Conduis-moi dans les profondeurs de la révélation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, si tu comprends comme moi, ça va t'élever à un autre niveau. Dans ta vie de prière et dans ta manière de voir les choses. Amen. Josué prit une pierre. Vite. Et Josué dit à tout le peuple. Il dit à tout le peuple. Voici. Cette pierre servira de témoin contre nous. Oui. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Laissez. Doto. Amen. Amen. Elle a la pierre que j'ai mis là. Servira le témoin. Pas entre nous. Et Dieu. Pas pour vous. Mais contre vous. Car la pierre là a entendu les paroles que l'Éternel vous a dites aujourd'hui. Comment? Elle servira de témoin contre vous afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Frère, écoute-moi. Ça, c'est inanimé. Et ça n'a aucune vertu spirituelle. Ça. C'est fait de main d'homme. Vous suivez? Ça. Plastique. Inanimé. Sans vertu spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Oui. Mais l'air que tu respires là, tout ce que Dieu a créé. Je dis ce que Dieu a créé. Ce qui n'est pas fait de main d'homme. A une vertu spirituelle. Le clim qui est là. C'est inanimé. Ça n'a pas de vertu spirituelle. La terre qui est là, c'est inanimé. Mais elle est chargée de vertu spirituelle. Vous me suivez un peu? Josué a dit à Israël. Josué donne à Israël. La pierre qui est là a entendu. Les paroles que Dieu vous a dites aujourd'hui. Et elle va témoigner contre vous. Quand vous serez infidèle. Elle va témoigner contre vous. Lorsque vous allez violer l'alliance que Dieu est en train de faire avec vous ce soir. Frère. J'ai beaucoup prêché sur ces choses. Mais cette semaine encore. C'est comme si c'est la première fois que je lisais Josué 24. Pendant mon culte personnel. Très tôt le matin. Frère, Satan est un imitateur. C'est un imitateur. Josué sait.
Josué. Frère, je me suis demandé, mais pourquoi Josué a fait ça? Parce que lui-même a dit à Israël. Israël a dit trois fois. Israël va dans la tombe. Puisque toi, tu as choisi de servir Dieu. Toi et ta maison. Nous aussi. Nous allons servir le Dieu comme toi-même tu as choisi de le servir. Josué leur dit non. Josué donna le vous ne pouvez pas. Et malgré qu'il il a dit vous ne pouvez pas, il a mis une pierre qui a entendu et retenu des paroles contre Israël. Pour que quand Israël sera infidèle, cette pierre témoigne contre eux. It's very, very dangerous. C'est extrêmement dangereux. L'acte que Josué a posé là, ça peut combattre Israël vraiment. Parce que chaque fois que Israël sera infidèle à cet engagement, la pierre va réagir. Elle dit, cette pierre a entendu. Aujourd'hui encore, Josué a parlé à cette pierre. Il a pris la pierre comme témoin contre Israël. Aujourd'hui encore, frère, personne ne peut rien faire contre toi sans utiliser les éléments que Dieu a créés et qui sont chargés de vertus spirituelles. Frère, écoute-moi. Ça là, c'est du bois. Ce n'est pas l'homme qui a fait le bois. Non. C'est un élément créé. L'homme a juste façonné. Le même bois là. Écoute-moi. L'homme peut prendre ça et parler à ça. Charger ça d'autres de puissance et utiliser ça contre toi. Ce qui est sous toi, le fer qui est là. Frère, ce n'est pas l'homme qui a fait le fer. L'homme a juste façonné ça. C'est un élément créé. C'est chargé de vertu. Et nous, au Bénin, ici, nous savons que le fer est un dieu. C'est une divinité. C'est le dieu des accidents. C'est le dieu des événements fâcheux. Quand quelqu'un se noie, frère, on va aller faire une cérémonie au dieu du fer. Quand une femme va sur la table d'accouchement et meurt, on va faire un sacrifice au dieu du fer. Tout ce qui est événement fâcheux vient du dieu de fer. Frère, si nous ne comprenons pas certaines choses, nos luttes seront beaucoup. Tout ce qui t'entoure, qui t'environne et qui est un élément créé est chargé de vertus spirituelles et on peut l'utiliser en bien ou en mal. Nous aussi, chrétiens, nous pouvons utiliser ces choses. Alléluia. Amen. Je dis, nous pouvons les utiliser. Là, Josué est en train d'utiliser quoi? La pierre. Mais, frère, vous pouvez penser que c'est positif. Ce n'est pas positif. C'est contre Israël. Il a dit, il dit, Dieu ne va pas pardonner vos péchés. Les paroles que Josué a dites là, la pierre a entendu enregistrer et en son temps elle va rappeler ça à Israël. Alléluia. Amen. Avant de continuer, lève-toi sur tes pieds. On va prier, mon frère, lève-toi vraiment violemment. Lève-toi sérieusement. Tu vas élever la voix et ordonner tout ce qui est dit
un élément créé contre moi ce soir, que tout soit effacé. Toute parole que un élément créé a entendu, enregistré, retenu contre moi, au nom de Jésus, que le sang de Jésus les annule. Frère, élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Prie pour ton mari, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dit à quoi que ce soit contre moi, ma femme, mes enfants, tout ce qui est dit à un élément créé contre moi, au nom de Jésus, ce qui est instruit, commandé à un élément créé contre ma vie, au nom de Jésus, que cela soit annulé. Mon frère, parle. Insiste. Parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, écoute. Doto. Je connais quelqu'un. M'aider. Pas histoire. Emma Itan. Je connais. M'aider. C'est une pierre. Bon, on sait. Qu'on a taillé comme igname. Les igname petit, kokoro, bien comment vous appelez. On a taillé la pierre sous forme d'igname. Écoute, tout ce qu'il prend la pierre là et fait comme ça et dit la chose se passe. Pierre, amen. Amen. J'étais ami aux enfants du vieux là. Oui. Et le vieux m'aimait tellement, je rentrais juste dans sa chambre à coucher. Bon, papa là, tu as mes caca bon, non bien caca boué ton main. Il y a un petit fétiche. Bon, vaut donc pas vider ton flingue. Dans sa chambre à coucher. Toi boué ton main. Et la pierre là est dessus. Bon, au ciel on te vaut donc l'ordi. Le vieux là a eu un litige foncier. Bon, papa là, et wado tout cra y battonde. 70 personnes contre lui seul. Bon, bientôt quand les enfants de voir ton ordi. C'est une collectivité. Et un bel ouais. Ils ont commencé à mourir one by one jusqu'à le petit homme qui reste est venu démissionner, se soumettre. Mon frère, tu vas t'élever et prier avec moi. Frère, quand tu vas sur les montagnes, c'est le pouvoir de la pierre qui est utilisé là-bas. Frère, quand tu vas sur les montagnes, le Dieu des montagnes, c'est le Dieu de la pierre. Tu vas élever la voix. Tout ce que quiconque a dit, si une pierre, tout ce que quiconque a dit, si un fétiche de pierre, une idole de pierre, un fétiche de montagne, contre ma vie, ma femme, mes enfants, aujourd'hui, que le sang de Jésus les annule. Frappe les mains et prie avec agressivité. Mon frère, parle. Ils ont parlé. Par ta parole, tu peux annuler leurs paroles. Quiconque. Tout ce que n'importe qui a dit à une pierre, a dit sur une pierre, contre ma vie, tout ce que quiconque a dit sur un fétiche de pierre, mon frère, parle, bruit, sur une idole de pierre, un fétiche de montagne, contre ma vie, contre mon ministère, ma femme, mes enfants, ce soir, que ces paroles soient annulées. Mon frère, prie. Ta prière, ça manque d'engagement. Tu n'as pas encore compris. Oh mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Mon frère, prie. Tout ce que n'importe qui, les hommes méchants, on dit à une pierre, on dit sur une pierre, sur une idole de pierre, un fétiche de pierre, une idole de montagne, contre ma vie, la vie des miens, mon ministère, n'importe quel
assez de ma vie. Ce soir, que le sang de Jésus les anéantisse. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus les annule. Mon frère, parle. Au roi chétan, les paroles de pouvoir, les incantations, les malédictions que n'importe qui a dit sur une pierre, une idole de pierre, un fétiche de pierre, une divinité de pierre, un pouvoir de pierre, au nom de Jésus, que tu sois anéanti, efface, anéanti, efface, anéanti, efface. Mon frère, prie. Pray. Kebaba Sanda. Jesus' name. Listen to me. Amen. Listen to me. Dotomi. Quand j'ai commencé à parler en esprit, une parole forte est venue à moi, je te dis. Il y en a ici ce soir. Il y a un implant de pierre. Au Satan. Donc, présente aujourd'hui. Sur ta vie. Où elles ont besoin de siens. C'est pourquoi les choses sont difficiles. C'est pourquoi c'est dur. Où elles ont besoin de siens. Tu vas élever la voix et prier. Que n'importe quel implant de pierre. Donc, au sang, au Satan, que quiconque a mis en terre n'importe où. Contre toi, ton mari, ta femme, contre tes finances, ta santé, tes activités, ce soir, que ce que la terre vomisse cela, élève la voix et parle. Frère, ça c'est le mystère. Ce n'est pas des prières de religion. Non. C'est le mystère de la vie. Mon frère, prie. Au saut. Au saut, on demeure que les implants de pierre. Bon, il a une coche de Dieu. Ah, si tu vis, tu es la division. Et il y a une panique quoi. Que la terre avale cela. Que le feu dévore cela. Prie. Keba Sindaya. Mon frère prie. Kalabo Sandamama. Kibalabo Sande. Zikima Sandalaba. Mon frère prie. N'importe quel implant de pierre. Que quiconque a enfoncé mis en terre. Contre ma vie. Que cela soit arraché. Pray. 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 Insist. Yes. Sois en train de prier. Ça va sortir de la terre. La terre va vomir cela. Les gens de Dieu vont l'arracher. Adan, Jesus, let me pray. Amen. On va généraliser. Le but des implants, c'est pour sceller une situation. Frère, quelqu'un peut prendre ton argent et il met un implant sur terre pour dire toi là, l'argent là c'est fini. Amasson, il prend un don. Mais tu n'auras plus ça. On peut mettre un implant sur terre pour te mettre dans un état. Et si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas ces choses. Tant que l'implant est sous la terre, qui peut changer ça? Il y a les implants souterrains. Il y a les implants marins. Tomé, ouais.
Tu vas prier au nom de Jésus. Tout ce que quiconque a utilisé la pierre pour faire. Bosé Dranto. Et a jeté dans la mer. À cause de moi, mon mari, ma femme, mes enfants. Alors Jésus. Tu m'as dit Jésus. Et y a quoi pour les quoi acheter ton écoute aux amis. Pour toi, réduit en ayant cette nuit. Laisse-le. Minoté, bosé, voilà, ouais, minoté. Minoto. Jérémie a utilisé le pouvoir de l'implant marin dont je parle contre Babylone. Jérémie Zan Ache, au saut de Nopelo Tomeleto, Diagodo Babylone. Mais Soussou, j'ai pris avec une dame ici. Elle n'est pas là ce soir. C'est son propre mari qui a fait la chose. Il dit, suis-moi. Il est arrivé au bord du marigot. Le mari a dit, prends et jette. Et ne regarde plus en arrière. Dans son ignorant frère, il ne faut jamais faire ça. Aucun homme, quelque chose, tu peux vomir, tu peux aimer la personne jusqu'à vomir l'amour. Ne suis jamais un homme pour aller chez un charlatan. Ne suis jamais un homme chez un charlatan. Tu vas te... C'est une livraison gratuite. Et quand le mari lui a remis, il dit, jette ça dans l'eau. Et ne regarde plus. Et dit, la mer ne coule pas à reculons. Non, l'eau ne change pas son cours. C'est-à-dire, direction. L'eau ne change pas son cours. La direction que je te donne là, c'est cette direction que ta vie va prendre et pour toujours. Tu vas prier, je ne sais pas comment le faire. Tu vas dire tout ce que quiconque a fait à cause de moi en mon nom et appeler mon nom dessus, jeté dans la mer. Tu vas dire aujourd'hui que tout cela soit anéanti. Amen. Listen. Doto. Jérémie a appelé Baruch. Son secrétaire. Il dit, écris ce qui va arriver à Babylone. Baruch a écrit, parce que Jérémie ne connaît pas papier. Quand il a fini d'écrire, il dit, prends une pierre. Attache ce que j'ai écrit à une pierre. C'est une entité spirituelle. Il dit, attache ça. Il dit, va sur l'Euphrate. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas dire, Babylone. Écoute. Doto. Babylone, écoute. Babylone, doto. Comme cette pierre est en train d'être noyée. C'est comme ça, toi, tu seras noyé. Quelqu'un peut dire ton affaire sera noyée. Quelqu'un peut dire quelque chose te concernant sera noyé. Et tant que c'est dans l'eau là, ce qu'on a dit sur la pierre ne changera jamais. Dieu seul peut changer ça. Tu vas prier. Quoi que ce soit que quiconque a fait sur une pierre, dit sur une pierre, et jeté dans l'eau, contre ma vie, ma femme, mon enfant, ma carrière, aujourd'hui, que cela soit anéanti. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Pray.
N'importe quelle pratique occulte, maléfique, que quiconque a fait, tout ce que n'importe qui a fait sur une pierre, et j'étais dans l'eau, dans la mer, dans les marigots, toute ma vie, ma femme, mes enfants, mon ministère, la vie d'un frère, la vie d'une soeur, ce soir, que son pouvoir soit brisé. Brise, 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 brise. Brisé, brisé, brisé. Que ce pouvoir soit brisé. Brisé, brisé. Tu n'as pas encore compris. Brisé, brisé, brisé. Anéanti, 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 anéanti. Tout en fait, sur une pierre, et la jeter dans la mer, dans un marigot, dans un coup d'eau, au nom de Jésus-Christ. Que ce pouvoir soit brisé. Brisé, brisé, brisé. Jesus name. Amen. Amen. Tu vas dire Anando. Tout ce qui est mis quelque part. Dans nous des zéro fide. Établi quelque part. Bodoa ido fide. Mis quelque part. Zéro fide. Comme un témoin contre moi. Taidi kunde nous des jagodomi. Ce soir, que le feu de Dieu dévorcera. Frère. Novi. Ça peut être un arbre. C'est l'étape suivante que quelqu'un va prendre et planter là. Et dit quelque chose. Ou bien fait quelque chose en terre et planter l'arbre dessus. Tant que l'arbre est là, c'est un témoin. Ça veille à ce que ce qui est, ce sur quoi on l'a planté se passe comme ça chez quelqu'un. Tout ce qui est mis n'importe où, établi n'importe où, comme témoin contre moi, aujourd'hui, que cela soit détruit par le feu, détruit par la puissance de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec énergie. Tout. Tout ce qui est mis, établi, n'importe où, quelque part, comme témoin, contre ma vie, la vie des miens, ma vocation, mon ministère, soit détruit. Tout ce qui est mis quelque part, tout ce qui est établi quelque part, contre ma vie, contre mes destinées. Mon frère, prie, insiste. Que ce soit détruit. Prie, insiste. Tout ce qui est mis quelque part, tout ce qui est établi quelque part, comme témoin, contre ma vie, insiste. Ce soit détruit. détruit. Ce n'est pas des prières religieuses. Oh Dieu de miséricorde. Non, laisse ça. Il est pour nous. Dieu est pour nous. On fait face à ce qui est contre nous. Frère, c'est la sagesse. Je fais beaucoup attention à ce qui est contre moi plus que ce qui est pour moi. Ce qui est pour moi, c'est pour moi. Je prends les deux frères là. Hein? Et je suppose qu'il y a un parmi eux qui m'est favorable, qui est pour moi, et l'autre est contre moi. Et je sais. Je ne vais pas me concentrer sur ce qui m'est favorable. C'est l'autre là-bas là. Il n'y en a pas parmi vous. Hein. S'il n'y en a pas parmi vous, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Frère,
Alléluia. Amen. Après, on va revenir. Si l'ennemi peut utiliser ça contre toi, tu peux aussi l'utiliser contre lui. Après, on va revenir sur la pierre. Toi, mais tu vas utiliser la pierre. Donnez donc que toi, si Gazando Jagodo, et Yeshua Rana Zambolo Jagodo. On a vu Dieu utiliser ça pour Israël. Ça peut se passer encore aujourd'hui. Même si la personne ne voit pas pierre physique. Nous parlons de vertu spirituelle. Et nous, ce que la pierre est spirituellement va combattre quelqu'un en ta faveur. Va combattre quelqu'un en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jérémie 22. Restons debout, restons debout. Nous sommes en train de prier. Jérémie 22. À partir du verset 29. Jérémie 22, à partir du verset 29. Terre. Aïe baye. Écoute la parole de l'Éternel. C'est au roi au clonoton. Ainsi parle l'Éternel. Léwe au clonoton. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Miwlawe dawe keton wensino. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. O meke manamo dagbeto azin ton lemme. Car nul de ses descendants ne réussira. Na o meneso o point ton me manamo dagbe. À s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Bosi ito fi David iton di bona soto a horudu to Juda digbere gbere. Amen. Alléluia. Frère, écoute. David oto. Ce n'est pas religieux. Emma ici saint. C'est spirituel. Il y en a. Quand ils se lèvent le matin, nous ne sommes pas dans cet esclavage. Jésus nous a libérés. Mais il y en a. Parce qu'ils comprennent ces réalités. Avant de mettre leurs pieds sur la terre, ils vont parler à ça. Pourquoi? Pour que ce que n'importe qui a dit à la terre, pendant que eux ils dormaient, que la terre ne travaille pas. C'est Dieu qui est en train de parler ici, ce n'est pas Satan. Amen. Sur Jéconia. Dieu pouvait simplement parler sur Jéconia. Mais ce que Dieu fait ici est instructif. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jérémie, cet homme-là, non seulement, voici ce que je veux lui faire, mais jusqu'à sa descendance. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec toi. Qui n'a pas commencé avec toi. C'est là, enregistré, établi dans le spirituel depuis des générations. Ici, Jérémie dit, tête, écoute. Listen. Josué a dit, la pierre là a entendu les paroles. Elle sera témoin. Ici, Jérémie appelle la terre. Il dit, terre, écoute. Pourquoi? Pour que la terre retienne ça et soit témoin contre Jéconia et ses descendants que Dieu a dit que personne dans sa descendance ne doit réussir. Personne ne s'élèvera. Frère, tant que cette malédiction, cette parole qui est dite et enregistrée, retenue, n'est pas effacée, chaque fois que Jéconia marche sur la terre, vit sur la terre, la terre va témoigner contre elle. La terre va rappeler à Jéconia et à ses descendants qu'il y a une parole qui est ici contre toi. C'est sûr. Parce que je ne sais pas. Si quelqu'un
dans la descendance de Jéconia a reçu Jésus et a accompli ces choses pour les annuler. Mais tant que ce n'est pas annulé, écoute-moi, ça veille. Ça veille. J'ai parlé, je crois, de ça dans mon livre Les Mystères de la Vie. Alléluia. Amen. Frère, si tu es né dans une telle famille, où il y a un témoignage spirituel contre la famille, frère, ça va travailler contre toi. Et écoutez, les enfants de Jéconia, peut-être qu'ils ne savent même pas que à cause de leur papa, on a dit quelque chose à la terre qui est là. Frère, les éléments créés ont une vertu spirituelle. Retiens ça à jamais. On peut l'utiliser en bien ou en mal. Les gens qui comprennent ça utilisent ça pour nous déranger. Ah oui. Ils utilisent ça pour multiplier nos luttes. Même si tu n'es pas vaincu, ils seront là à te déranger. Frère. Mais si tu comprends ces choses, frère, tu vas prendre position. Je prie pour toi. Tu vas prendre position. J'ai écrit ici, si tu comprends ces choses, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Je prie pour toi, au nom de Jésus, le pouvoir pour dominer au milieu de tes ennemis. Ce n'est pas que tu vas fuir tes ennemis, mais au milieu d'eux, tu régneras et tu vas faire ce que Dieu a écrit sur toi. Que son pouvoir commence à opérer sur toi. Laissez le pouvoir pour régner au-dessus des éléments créés. Pour que les éléments créés te soient soumis. Au nom de Jésus, que son pouvoir commence à opérer dans ta vie. Que son pouvoir soit activé dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix. Listen. On va aller là, c'est beaucoup. On va aller étape par étape. Tu vas prier avec moi. Tout ce qui est dit, on va commencer par les paroles. Incantation. Parole de malédiction. Tout ce qui est dit à la terre. Contre moi, les miens, ou contre mes ascendants, et qui travaillent jusqu'à moi. Aujourd'hui, que le sang de Jésus les annule. Chante Big Amen. Laissez. Écoute. Le sang de Christ n'a pas coulé seulement sur la croix. Le sang de Christ a coulé sur la terre. J'ai prêché il y a longtemps, très très longtemps, ça doit être à Gla, régénérer la terre. Faut reconditionner la terre. La terre sur laquelle nous vivons doit nous être favorable. Si la terre est favorable à toi, tu vas réussir sur elle. Tu seras de bonnes choses sur elle. Tout ce qui est dit à la terre contre toi, ton mari, ta femme, tes enfants qu'elle a entendu, retenu contre toi, tout ce qui est dit à la terre contre tes ascendants qui travaillent jusqu'à toi, contre ta famille qui travaille jusqu'à toi, que le sang de Jésus les annule aujourd'hui. Frappe les mains fort et parle avec autorité. Parle avec autorité. Parle. Parle, 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 parle. Ce qui est dit à
Que Baba Sanda Mayande. Tout ce qui est dit à la terre comme malédiction, parole de pouvoir, mauvais sort, maladie, quoi que ce soit qui est dit à la terre contre ma vie, contre mes destinées, la vie des miens, au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit annulé, 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 annulé. Jesus name. Amen. Frère, écoute. Amen. Listen. Loto. Tu peux avoir du savon. Du savon. Avec toi. Et avoir les mains sales. D'huile. Le savon avec toi. Le savon ne te lavera pas si tu ne l'appliques pas. Jésus est mort. Son sang a coulé. Mais tu dois l'appliquer. Si tu ne prends pas le savon pour te laver, l'huile va rester sur tes mains. Quoi que tu aies le savon en main. Savon déjà dit toi alors maintenant oui. Ah il a dit là vous frottez alors. Tu dois prendre le savon et frotter tes mains avec. Frottez ça bien. Sinon même oh. Amina nous alors gona oui. Lui va rester sur ta main. Ah oh tu vas prier avec moi tout sacrifice ou libation qui a été donné à la terre. Ah quoi de tu as quoi de un sang doit y partir. Ne quoi quoi de un sang doit y partir. Yes, sur à cause de toi. Sur ton nom, ta tête. Ton mari, ta femme, tes enfants. Aujourd'hui, que le sang de Jésus qui a coulé sur la terre annule ses sacrifices, annule ses libations, annule les effets. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, parle, applique, 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 applique. Applique, applique, applique. Applique. Applique, applique. Mon frère, applique tout sacrifice, libation, offrande qui a été donné à la terre. Fais sur la terre. À cause de moi, contre moi, ma femme, mes enfants, les frères, les soeurs, le ministère, Seigneur. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus les annule. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le sang qui a coulé sur la terre. Les annule, les annule, les annule. Annule les effets. 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 Parle, 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 parle. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus les annule. Que le sang de Jésus annule les effets. Annule les effets. Mon frère, parle. Annule les effets. Annule les effets. Que le sang de Jésus les annule. Jesus name. Amen. Frère, on va continuer prochainement. Avec beaucoup plus de détails. Frère, Dieu a créé les choses pour nous. Pas contre nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi avant de créer l'homme, il a créé les choses. Tu vas élever la voix et prier. Au nom tout puissant de Jésus. Tous les éléments de la création. Écoutez-moi à partir d'aujourd'hui. Soyez-moi favorable. Et travaillez pour mon bien. Frappe les mains et parle. Instruis, instruis, instruis. Instruis, instruis, parle. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu a créé me soit favorable. Au nom de Jésus. Vous êtes créés pour moi et non contre moi. Soyez favorable aux miens. Soyez favorable aux frères, soyez favorable aux soeurs. Travaillez pour mon bien. Mon frère, parle. Parle, parle. 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 Tout ce que Dieu a créé, qui a été détourné de son but divin, détourné de son but originaire, à partir de ce soir, j'adore que ces choses me redeviennent favorables. Travaille pour mes biens. Qu'elle me serve. Parle, 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 parle. Que ces choses
Parle. 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 Tout ce que Dieu a créé commence à travailler pour ton bien. Yes, parle, parle. La terre, le vent, l'eau, les plantes, les arbres, les animaux. Parle, 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 que la création soit reconditionnée à ma faveur, la création soit reconditionnée en faveur des miens, la faveur soit reconditionnée en faveur de mes destinées, soit reconditionnée en faveur des frères et des sœurs. Mon frère, parle, parle, parle. Jesus name. Amen. Pour finir, tu vas élever la voix. Et ça, c'est des instructions. Eux, ils parlent. Toi aussi, tu vas parler. Parole contre parole. Mais toi, tu parles au nom de Jésus. Ta parole sera au-dessus de leur parole. Ta parole va annuler leurs paroles. Tu vas élever la voix aujourd'hui. Répète avec moi. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout élément créé qui a été détourné de son but divin contre ma vie redevienne favorable à moi. Me redevienne favorable. Élève la voix, commence à affirmer ça. Ce qui a été détourné de son but divin pour être utilisé contre moi à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, soyez-moi favorable, 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 favorable. Je vous reconditionne. Je vous reconditionne. Conditionnez pour mon bien, ma réussite, ma victoire. Jesus, now we pray. Amen. Amen. Frère, on va pas attendre mercredi. Alléluia. On va, même dimanche, on va prendre quelques requêtes dans les requêtes qui sont là. Alléluia. Je veux parler sur toi. Lève la main. Lève la main. Libère-toi. Je dis libère-toi. Ce qui veut sortir, ça peut changer ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a créé est créé pour toi. Pour l'homme, pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le but divin parmi les, sur les éléments de la création soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sur cette terre des vivants, quiconque va vivre sur cette terre des vivants contre toi, que la terre le rejette, que la terre le combatte. In the name of Jesus. Je parle à cette terre que Dieu a créée pour toi. Dans le nom de Jésus. Au lieu de te combattre, qu'elle combatte pour toi. In the name of Jesus. Sur cette terre des vivants, quiconque va y marcher et s'élever contre toi, la terre s'élèvera contre la personne. In the name of Jesus. Que cette terre devienne pour toi une terre de victoire. Je dis que ta vie sur terre soit une vie de victoire. Que la terre travaille pour ta victoire. Que la terre travaille pour ta prospérité. Que la terre travaille pour ton bien-être. In the name of Jesus. Que la terre travaille pour ton bien-être. Que la terre travaille pour tes destinées. Au nom de
recherche de Nazareth. Si elle a déjà écouté, si elle a déjà entendu, si elle a déjà retenu une parole contre toi, ton mari, ta femme, ton enfant, ta carrière, ta finance, ta santé, aujourd'hui, la parole qu'elle a enregistrée, que cette parole soit effacée. In the name of Jesus. Amen. Écoute, Doutor, je vais rentrer dedans pour toi. Nous irons de la terre en haut. Josué a parlé au soleil. Le soleil a écouté. Il dit, toi soleil, arrête-toi là-bas. Il n'a pas parlé à Dieu. Frère, nous comprenons mal. Josué n'a pas parlé à Dieu. Il n'a pas prié Dieu. Oh Dieu, arrête le soleil. Il dit, toi soleil, allez, attends là-bas. Je prie pour toi. Frère, Dieu a dit. Il dit, le soleil ne va pas te frapper. Ça ne va pas dire que les rayons du soleil ne vont pas s'élever sur toi. Mais quiconque l'engagera contre toi, il ne va pas obéir. Tout élément créé dans les cieux, au-dessus de sa tête, qui a reçu des paroles, des instructions, des missions contre toi, contre les tiens, un aspect quelconque de ta vie. Aujourd'hui, les paroles qu'ils ont retenues soient effacées. Dis amen fort. Dis amen fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute, à partir d'aujourd'hui, le soleil sur ta tête, qui te soit favorable, qui travaille pour ta victoire, qui travaille pour ton bien-être, que ces rayons t'apportent la délivrance, que ces rayons t'apportent la guérison, que ces rayons t'apportent la victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, quiconque va vivre sous ce soleil avec de mauvaises intentions contre toi, que le soleil le frappe. Shout, 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 shout. Dis encore amen. Mon frère, crois ça, crois ça. Mon frère, crois ça. Moi, je crois pour moi que qui que tu sois, si le soleil peut s'élever sur la tête de la personne, la personne va échouer devant moi. Et je passe sur toi aussi. À moins que le soleil ne se lève pas. Si le soleil peut s'élever sur la tête de quelqu'un qui s'élèvera contre toi, la personne va échouer devant toi. Dis amen, le soleil n'a qu'à entendre. Dis amen, le ciel entend ta voix. Dis amen, le soleil entend ta voix. Dis amen, le soleil entend ta voix. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, que chaque jour te soit favorable. Que la nuit te soit favorable. Les événements qui se passent le jour te soient favorables. Les événements qui se passent la nuit te soient favorables. Mon frère, dis amen fort. Frère, s'il parle à la nuit, si quelqu'un parle à la nuit contre toi, la nuit va rejeter ses ordres. Et la nuit, c'est une entité. Oui, c'est une entité. Alléluia. Amen. Frère, les temps peuvent recevoir des instructions. Pardon? Les temps sont des entités. C'est Dieu qui a créé ça aussi. La Bible dit un jour instruit un autre jour. Et la nuit avant de partir donne ses ordres à la journée. Si on a dit quelque chose à un temps, à un moment, avant,
maintenant ou après. Peut-être ça se passe déjà. Ou le temps là attend pour commencer à manifester ce qu'on lui a dit. Tout ce qu'on a dit à un temps, tout ce qu'on a fait sur un temps, contre-toi au nom de Jésus, que cela soit annulé totalement. La nuit ne va pas s'opposer à toi. Le jour ne va pas s'opposer à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que Dieu a travaillé, travaille pour toi. Tout ce que Dieu a créé, travaille pour ton bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde en haut, dis Amen. Fort. Bien-aimé, acclame encore.